Jodi a nou pral pale sou la sajes d'un saj. Nou gen Socrate ki pale de 3 groupe de moun ki existe a travers le monde. Socrate pale de sakrele grands esprits, moyens esprits et petits esprits. D'après Socrate, nou gen Emmanuel Kant ki pale de 2 groupe de moun ki existe. Donc Emmanuel présente le concept. Emmanuel dit sage avec idiot, d'après Emmanuel Kant. Et bien, je dis à nous choisir pour nous effectuer le voyage noir. Ce gros bout de tonton travail, sage la gagne pour l'effectuer. Sur ça travail, alors travail personnel, autodiagnostic, que sage la gagne pour le faire. Et qui t'a censé présenter comme premier travail, sage là. Et ceci, c'est un travail au quotidien. Rete connecté, rete branché. C'est avec un pile contentement, frère ou famille. Arnold, après soir, a effectué le voyage ça ensemble avec vous. Moi, félicite vous du fait que, non seulement, vous regardez la vidéo, vous likez, vous commentez, et puis, ou à partager. Pas oublier famille moi dit nous pral et ouais qui gros travail sage la gagne pour le faire. C'est Emmanuel Kant dit c'est 2 groupes de monde ou à rencontrer. C'est monde qui sage avec monde qui idiot. Donc on va rencontrer 2 groupes de monde ça yo. Et bien parler des sages ouais ou en face yon moun ki gen sakre le grands esprits. Yon moun ki gen esprit ki fort. Yon moun ki gen yon capacité d'analyse extrêmement élevée. Parler des sages, c'est yon moun ki capable de ramener tête li à l'ordre, à la raison, et qui pa gen problème tout pour entourage de ramener à l'ordre, à la raison. Donc c'est ça que ou joine la caille yon sage. Et puisque sage là gen valeur ça yon nan li, puisque sage là cultive valeur ça yon, et c'est ça que fait de li moun li ye ya, et bien en ouè à travers la Bible qui ça le ciel li même personnellement li dit et qui capable aider sage là pour mieux fonctionner, mieux vivre. Qui ça? Le ciel lui-même le dit dans ce sens. Et bien, famille, avant nous feuilleter la Bible, parce que nous avons aimé la Bible, vous n'avez pas de problème avec ça. Sage là, c'est un monde qui est toujours à réfléchir, qui est toujours à examiner ce qui a passé dans la tête, est-ce qu'il est bon? C'est un monde qui toujours passe réflexion lieu dans laboratoire. Décision lieu dans laboratoire. C'est un monde avant le parler, il prend petit temps pour questionner ça le bral dit. C'est un monde l'elfine parler, il prend petit temps pour questionner ça le saut dit yo. Pour le bon côté avec mauvais côté ça le saut dit yo. C'est un monde l'el avant l'agir, il prend petit temps pour questionner action qu'il pral poser. Et l'elfine pose elle, il prend du temps pour questionner action pour voir est-ce qu'elle t'est posé bonne action ou bien est-ce qu'elle t'est posé une mauvaise action. Donc ça yo, ouais son ensemble des valeurs et rejoindre cap travail la caille sage là. D'accord, c'est ça rejoindre. Et bien on y a là en gardé dans Proverbe chapitre 16 le verset 16. Proverbe 16, le verset 16, mais ça n'y a rien qui écrit. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Moun qui prend du temps pour le réfléchir et bien réfléchir sur bagay yo, et bien moun ça, li joine bonheur. Donc li entre dans paradis bonheur. Li entre dans richesse li. Moun qui prend du temps pour réfléchir, pour questionner, pour analyser, pour examiner
ça le pral dit, ça le pral fait. Donc, moun sa, c'est un monde qui est riche. Il est son même vraie richesse là. C'est un monde qui est riche, monde qui perd du temps pour questionner fonctionnement, pour questionner. J'ai la vivre, j'ai la marcher, j'ai la bouger. Moun sa, c'est un monde qui est riche. Son monde qui est riche. Eh bien, monde scientifique là, rele moun sa sage. Le ciel rele moun sa sage. Et pas sans raison, non? En pote Jacques Pralli, si un monde manque sagesse, il est capable de mander bon Dieu. C'est pas sans raison, en pote Jacques fait gros bout de tonton déclaration ça. Et où est comment et Salomon lui-même l'était gagné en pile sagesse. Et Salomon t'est estimé que sagesse tape indispensable pour lui. Donc lui pas tap ka vivre dans monde ça sans sagesse. Salomon t'est estimé que lui pas ka fonctionner dans monde ça. Fonctionner de façon normale sans sagesse. Donc ouais Salomon, lui pas demander bon Dieu richesse, lui pas demander bon Dieu rien, absolument rien dans monde ça, mais t'est uniquement demander bon Dieu sagesse. Parce qu'il connaît, sagesse c'est un élément vital, c'est un élément indispensable, c'est un élément incontournable pour quel que soit monde qui veut vivre bien dans monde ça. Pour quel que soit monde qui veut vivre bien, eh bien monde ça li besoin pour c'est un sage. Pour c'est un sage et ça le monde est obligé de demander bon Dieu sagesse. OK, demander bon Dieu sagesse. Là encore, pour Salomon, te mande bon Dieu sagesse, ouais, son nek qui était intelligent. Son nek qui était bon lecture, qu'elle te fait des modes de la fonctionner. C'est au moins qui était bon lecture, qu'elle te fait des mounes. Donc, il te mande bon Dieu sagesse. C'est plus bon bagay là. C'est plus gros bagay là. Salomon te mande bon Dieu. Plus gros bagay. Qui t'a pas permettre une capacité d'analyse élevée. Qui t'a pas permettre lui en mesure pour critiquer propre discours li, pour critiquer propre comportement li dans monde là qui t'a pas permettre de faire là d'accord et qui t'a pas aider le tout pour arriver sur monde Jean doit arriver sur monde là comprendre qui t'a pas aider pour arriver sur monde Jean ça doit faire là donc ça pas qu'a fait en dehors de la sagesse, c'est extrêmement important. Non, nous j'ai donc coup d'œil dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5, mais ça nous mène dit. D'amener pour nous. Mais ça le dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc voilà, apôtre Paul, l'échita sous analyse. Lui mandé pour nous examiner. Alors, tu as parlé avec Pep Corinth là. Lui mandé pour nous examiner pour peut-être nous. Examiner fonctionnement nous. Examiner langage nous. À la lumière de la parole de Dieu. Fais ça, examine yo. Ou est-ce que Jean nous réfléchit? Est-ce que c'est qu'on s'entend de réfléchir en tant que monde normal? Est-ce que Jean nous parle yo? Est-ce que c'est qu'on s'entend de parler en tant que monde normal? Est-ce que Jean n'a pas agi? C'est qu'on s'entend de agir en tant que monde normal? C'est ça Paul t'a demandé, peuple corinthien, pour nous faire. Donc c'est que c'est examiner pour peut-être pas yo. Ou pas de mission pour examiner monde? Mais non. Ou ka examine le monde après. Mais premier travail sage là, c'était pas là. Tandis que les différents. Idiowa, examine le monde. Idiowa, ou est monde. Vous comprenez? Idiowa, ou est monde. Sage là, ou est tête li. Sage là, ou est langage li. Sage là, ou est comportement. Est-ce que là même? C'est yo li critique. Vous comprenez? C'est yo li critique. Idiowa, li fait le contraire lui-même. Idiowa, pas ou est tête li. Non, mais le mon li wè frère, le wè sœur, le wè voisin, le wè voisine, le wè ami, etc. C'est ça, c'est différent. Donc c'est que
et ça apôtre Paul les dit avec peuple connaître là mais ça nous devons faire d'abord restez branchés restez connectés nous connaissons. Moi remets nous en pile et n'a pas retourner pour une deuxième intervention.